Maintenant, place au ha. D'abord, concernant un petit peu, pour vous aider un petit peu pour ce qui concerne la prononciation de cette lettre, qui est tout simplement le ha. En effet, quand vous mangez quelque chose qui est très épicé, eh bien, vous sentez en effet la chaleur et vous dites, innahu har, c'est très épicé. Innahu harun. C'est très épicé en effet. Ça vient de là un petit peu. Vous essayez de le... J'espère que vous le prononcez. Donc, on a d'abord le... Donc, si on utilise le sukun, c'est tout simplement... Je ne sais pas comment je vais le noter. Double H. Non, non, c'est pas un double H, mais... C'est pas du H. Mais il y a le H. Il y a le H. Donc, essayez de prononcer H. Mais de santé un petit peu. Non, non, il faut monter un petit peu, je crois. Je sais pas, mais je vais dire que ça, c'est... Là, je suis obligé de ne pas vraiment noter ça avec une certaine notation. On va dire... C'est pour ne pas vous causer des confusions. Ça c'est ha, ça c'est hi, ça c'est hu. Ha, hi, hu, he. Ha, hi, hu, he. Ha, hi, hu, he. Ha, hi, hu, he. Il faut s'entraîner, s'il vous plaît. Essayez de s'entraîner. Je vais répéter, je vais répéter. Et essayez de chercher dans votre appareil, en effet. Linguistique, comment vous allez trouver en effet cela? Ha hi hu he, ha hi hu he, ha hi hu he, ha hi hu he, ha hi hu he. C'est comme si c'est épicé en effet, c'est comme si vous mangez un plat épicé. Ha hi hu he, ha hi hu he. Donc, ha hi hu he, ha. Hi, hu, he. Donc un petit quiz pour vous. Donc, tac, 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 tac. Alors, celui-là. Hi. Celui-là, hu. Celui-là, he. Celui-là, ha. Ah oui, j'ai trouvé. Quand vous dites ça. Au final, donc vous dites... Ha ha hi hu he ha ha hi hu he ha hi hu he ha hi hu he.